en matériaux composites, on peut lui demander beaucoup de choses. On pourrait lui demander des résistants dans différentes directions qu'on peut chercher a priori. On pourrait lui demander de conduire l'électricité. On pourrait lui demander des propriétés de conduire la chaleur dans une direction, mais pas dans une autre. Et quand on peut mélanger des matériaux, on peut arriver à fabriquer quelque chose comme un matériau à la carte. Donc effectivement, les industriels, ils ont bien compris cet enjeu. Et aujourd'hui, les matériaux composites, on les utilise beaucoup dans l'aéronautique. On sait bien que l'Airbus 380, il y a beaucoup de composites dedans. On sait qu'il y aura un Airbus A350 qui va être fait pratiquement tout en composite. Les composites, on les utilise beaucoup dans les... On peut imaginer les utiliser dans les satellites. Pourquoi? Parce qu'un kilo de structure économisée dans un satellite, ça va vous donner, si vous mettez l'électronique pour faire de la télécommunication, avec quelques kilos économisés, vous allez récupérer les coûts de mise en service, de mise en orbite des satellites. Un autre secteur qui tire beaucoup de matériaux composites, c'est les voitures, l'automobile. Jusqu'à présent, ce n'était pas si évident, mais aujourd'hui, avec la crise du pétrole, un jour, il faudra effectivement changer les fuels par les batteries électriques. Et ces batteries, elles ont un poids qui est conséquent. Et donc, si on pourrait alléger les voitures, on pourrait effectivement, avec les mêmes poids, mettre des batteries de plus en plus grandes pour avoir de plus en plus d'autonomie. Et après, vous savez, tous les domaines où vous voulez des très bonnes propriétés, c'est-à-dire les nautiques. Vous savez, les articles de sport, les skis. Dans toutes ces applications, on ne cherche pas trop les prix. On sait que là, c'est des produits de haute valeur ajoutée. Et à ce moment-là, écoute, on utilise les meilleurs matériaux, les meilleurs renforts, les meilleures matrices pour obtenir un produit qui a des propriétés qui sont relativement exceptionnelles.